ce qu'on peut dire, le bâtiment vient de rentrer dans un conflit social, ça fait maintenant euh, très longtemps qu'on est en train de négocier la convention collective avec le patronat, le patronat refuse de négocier sérieusement avec nous, refuse de discuter sur les revendications syndicales tels que l'augmentation des salaires réels et tarifaires, euh, l'intégration des salariés administratifs dans la convention collective, et euh, essaye de, depuis des mois de jouer le jeu du temps, donc là, un peu la politique de l'autruche, de ne pas vouloir négocier, essayer de perdre du temps pour que euh, à un moment euh, leur, euh, le paiement de ces, de ces augmentations soit le plus tard possible, ce qui pour nous était intolérable vu que le secteur du bâtiment va bien, le secteur du bâtiment est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, les carnets de commandes sont pleins. Les marges sont bonnes, euh, les perspectives économiques futures sont bonnes, la productivité est bonne, donc les gens du, du secteur doivent vraiment euh, voir leur euh, salaire réel et tarifaire augmenter. Le secteur se porte bien, le secteur est en pleine croissance. Le secteur, il faut savoir, malgré la crise économique qu'il y a eu en 2008, euh, s'est toujours bien porté, a, a eu les reins solides pour éviter tout licenciement ou autre. Ça fait des années que le secteur crée des emplois. Ça fait des années que le secteur. Euh, la confiance des entrepreneurs, même, est au plus haut niveau depuis 2007 qui était une très bonne année, euh, ils gagnent euh, les, il gagne de l'argent, l'emploi est en train de, 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 de croître, donc vraiment le secteur est en bonne santé. Vu que le patronat refuse de négocier, vu que le patronat refuse de discuter sur des augmentations salariales sérieuses, ben, nous en tant que GEBEL, euh, ça fait depuis des semaines et des mois qu'on est en train de sensibiliser les gens sur le terrain. Euh, on va euh, accentuer cette mobilisation parce que c'est le seul. C est, c est, il semblerait que le, le patronat ne comprend qu'une chose, c'est vraiment de voir les gens mobilisés avant de, de, de bouger. Donc, euh, on fera le travail que doit faire un syndicat. On va parler aux gens, on va les mobiliser et toutes les actions syndicales et tous les, les droits syndicaux nous sont ouverts.